de l'entrée. Non, ne peux pas. Certes, la vie continue, mais la peine demeure
et les souvenirs ne s'effacent jamais. Fin de citation de Bruno Durand. C'est depuis le lundi 14 juin 2021 que vous cherchez à comprendre, à exprimer votre ressenti, votre désarroi, votre état d'âme face au départ prématuré de Madame Wana Mboma Laetitia, qui vous accompagnait ce jour dans son dernier voyage sans retour dans cette belle cité qu'est la nécropole, notre patrimoine mémorial commun, afin d'honorer sa vie et prendre le congé de son corps physique. En communion de partage avec vous qui avez répondu présent ce dernier rendez-vous circonstanciel avec Madame Wana Mboma Laetitia, la nécropole voudrait, à travers ma voix et par ce petit mot d'accueil, présenter à vous, sa famille, à mes connaissances, les condoléances les plus attristées et inviter chacun de nous en ce qui les concerne à faire en sorte que cette cérémonie en pleine dignité et de solennité soit le moment de témoignage à la mémoire des souvenirs de Madame Laetitia. Madame Laetitia, fille de Papa Mboma et de Maman Salé Moza, originaire du secteur de Doué, territoire de Burundi, dans la belle nouvelle province agricole du Kwilu, ayant mis les jours un certain mercredi 3 août 1988, elle vient de s'en aller le lundi 14 juin. Dans la félicité éternelle, à un âge encore très jeune de 33 ans. Il est difficile pour la famille, les collègues, les amis connaissants d'accepter la disparition inattendue d'un proche qui semblait avoir toute la vie devant elle. En effet, les 33 ans de Maman Laetitia ne pouvaient laisser présager les départs prématurés de cette maman sympathique, calme, hospitalière et disciplinée. Oui, chers amis, la douleur de sa disparition est rendue encore plus insupportable par des questions sans réponse. Pourquoi ces deux extrêmes que sont la naissance et la mort? Pourquoi ne lui avoir pas octroyé plus de temps pour élever ses enfants? Et pourquoi la science n'a-t-elle pas réussi l'inacceptable? Pourquoi priver sa famille, ses collègues et ses amis de son soutien conditionnel? Oui, mais puisque la mort n'est pas la fin de la vie, mais le commencement d'une vie nouvelle, car éternelle c'est là, nous pouvons en communion avec sa mémoire transformer cette souffrance en espérance. Espérons des retrouvailles avec elle, demain et pour l'éternité, bien entendu de l'autre côté, de la rive où elle est passée, et qui est notre point de rencontre, tous, sans exception. Oui, chère Maman Laetitia, aujourd'hui, il nous faut accepter ta mort et te laisser partir. Et la possible élan d'acceptation va dépendre de chacun de nous, de notre passé, de notre histoire, de ce que nous sommes capables de comprendre de ton départ inattendu. Il nous faut trouver une consolation en nous disant que ce dernier voyage que tu entreprends est un voyage vers un paradis mérité dont personne vraiment ne peut en parler. Il nous faut faire notre deuil et te laisser partir en paix. Voir comme une étape de notre destinée personnelle. C'est ainsi, chers amis, rassurés, convaincus du départ définitif de Laetitia. Si je me ressens lieu de la vie à sous dans la commune de Massina, même après un quelconque culte dominical de la paroisse Saint-Marc, à Kingasai, car à cet instant, ce que vous avez très affectueusement dit, je ne changerai pas ce que vous avez dit. Désormais,
c'est ici, dans cette belle cité, nécropole, que vient d'élire le domicile. Madame, Maman Laetitia et Bénénière, cité nécropole, commune de Lancelé, quartier Irakis, à l'église, au numéro 335 de la ville de Nouveau. Et non plus, il nous parle de la ville de Gassou. Donc c'est ici, chers amis, qu'il faille revenir autant de fois que possible pour réfléchir sa dernière demeure de physique, sans attendre ce moment de mieux. Et au nom de toute l'équipe qui m'accompagne cette journée et des partenaires dans l'ordre de la vie, une fois de plus, nous retirerons le premier de plus à possible. Maintenant, que les rites de la paix et le repos éternel, que la séparation s'impose à notre pouvoir. Nous allons devoir prendre le gauche de ses corps en disant que nous sommes un vivant pour les morts. Et cela dans la langue chère à ses ancêtres, celle qui mène à ses premiers pas, et caressa ses rêves d'enfance, on le dira tout simplement en guillant vie, Laetitia, qui nous voit. Merci, chers amis. Alors, je vous invite à former de ranger pour accompagner solennellement et dignement notre sœur Laetitia. Place au Wakundi, là où il m'a amené Kimbuta. Autour, il y a un petit vidéo. Bon, autant y'a au sali cimetière de nos années. Eh, papa. On a tout en aïe. On a petit à la rara. Yeah,
Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là?
Voilà.